Bonjour, bonjour à tous, c'est Rolavik et on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World, le jeu, pour un nouveau combat, avec un code 19 qui est très bruyant. Je vais envoyer Owen, merci de t'en occuper. Un nouveau combat, évidemment. Alors moi j'ai enchaîné les enregistrements, donc il n'y a pas de nouveauté depuis la vidéo précédente. Hein. Donc combat directement, et on va aller se faire un petit combat terre à terre pour obtenir un Quetzalcoatlus qui ne nous sert à rien, certes, mais c'est un combat triple ptérosaure. Contre amphibien, et ça peut nous intéresser de faire ça. Oh, triple mastodonsaur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je pense que je suis allé trop loin. Parce que c'est 3 combats. Hein. C'est ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Très bien. Eh bien, on va envoyer ça. En avant. On se pose pas plus de questions. J'ai même envie d'être agressif. Donc on va être agressif. Alors le son de mon micro, peut-être que pour vous ça gêne pas, hein, j'en sais rien, mais je le trouve très bas. Malheureusement je peux pas le lever plus parce que sinon ça va saturer. Et que j'ai pas de table de mixage ou quoi que ce soit pour améliorer la qualité du son. Ça va être un des prochains achats que je vais me faire. Avoir une table de mixage pour gérer un peu mieux le son de mon micro. Ah, il va attaquer. Mais là, c'est vrai que, comme je vous disais, il y a deux vidéos de ça sur mon nouveau PC. Donc, cette player ne fonctionne pas. Je sais pas à quoi c'est dû. Parce que BlueStack fonctionne. Et Memu fonctionne, les deux autres émulateurs. BlueStack est rempli de pubs et Memu, c'est celui que j'utilise maintenant. Mais pareil, j'arrive pas à enregistrer avec mon logiciel d'enregistrement dessus. De manière convenable, l'écran est figé, etc. C'est un peu la misère. Donc je suis obligé de passer par mon logiciel de stream. Logiciel de stream qui est très bien, mais qui a, c'est vrai, un audio assez faible en enregistrement. Quoi. Malgré le fait que là, il me dit que je sature quasiment. Pourtant, quand je regarde les vidéos, le son est très bas. Donc ça me surprend. J'espère que ça vous gênera pas trop. Et puis j'essaierai de garder un œil sur Noxap Player si un jour il fonctionne ou pas sur mon PC. Oh, la puissance. On risque pas grand chose. Ouais, donc ça va être expéditif cette vidéo. Tac, on rentre dans l'air. À la fin. Le Presto Succubus. Ce serait bien qu'il y ait un événement une fois qui amène un combat comme ça. Ce qu'on est en train de faire là. Mais sur le dernier événement, c'est un boss. Là, par exemple, on est full amphibien. Et bah boum, le dernier combat, c'est le boss amphibien. Il faut atteindre le niveau 10, par exemple. Ou il est déjà niveau 10 et tu dois le combattre. Ou niveau 50. Parce que bon, niveau 10, ça peut être assez faisable. Ce serait sympa en vrai comme système, ça, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais mettre lui. Lui et lui. Je me garde de taper Gélocéphalus sous le coude. En 4 pépins. Agressivité. Boum. Ta-ta-ta! Attaque parade. Ah ouais, j'ai fait exprès pour pas mourir. Et pouvoir le one-shot, et c'est parfait. Très très bien joué. Poste succus one-shot. Et le Ptera Quetzal va pouvoir éliminer le Mastodonsaur. Oh bah donc c'était expéditif, hein. 3 combats, enfin 3 attaques. Et l'ultime combat. Vaincu. Éliminé. Bien joué. Ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Et on récupère du coup un Quetzalcoatlus. Très bien. Ici, rien de particulier.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, parce que là, c'est vrai que, bon, c'était un peu court, hein. Donc, bon, j'ai pas envie de vous laisser juste avec 5 minutes. Parfois, je le fais, mais bon, là, j'ai pas envie de vous laisser juste avec 5 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, parce que là, maintenant, Cryolophosaur, enfin, Cryolum Borgiana, on a Aran Borgiana niveau 40, Cryolophosaur, il est en train d'arriver niveau 40. Donc, je vais regarder officiellement ce qu'on va faire après. Je sais que je l'ai déjà fait, mais c'était il y a trop longtemps, je ne me souviens plus. Tout simplement, on va se mettre en Jurassique. Donc là, on est en train de récupérer lui. Hein, pas mal. Lui, c'est dommage parce qu'il montre plus ce dont on a besoin, quoi. Pachigalosaur, c'est Pachirinosaur et Megalosaur. C'est dommage qu'il montre plus ce dont on a besoin pour les faire. L'iguanodon et mais attends, mais il doit y avoir un autre moyen de le voir, c'est pas possible. Moi, ça me perturbe. De toute façon, il y en a, je sais que je pouvais pas faire, mais... Mais ça me perturbe quand même, le fait de... De se retrouver dans la situation où tu sais pas trop, quoi. Enfin, si, on peut le savoir, il suffit de regarder sur Internet, hein. Ou vous. Vous regardez, vous. Attends, parce que... Iguanodon. Ah, mais je l'ai pas, l'Iguanodon. Donc là, comme ça, c'est réglé. Voilà, Iguanodon et Gryposuchus. Pour l'Iguanosuchus. Ok. Donc celui-là, ça, c'était sûr, on pouvait pas le faire. Pachygalosaur, Glitronax et Alonomius. Donc lui, je peux pas le faire. Pachygalosaur. Je vais vérifier. Le Pachir... Alors, pas en hybride, pardon. Le Pachirinosaur. Pachiceratops, Pachirinosaur, hybride. Je peux le faire, le Pachigalosaur. On a un 40, un 30. Enfin, un 20, un 30, pardon. C'est intéressant, donc lui, on peut le faire. Donc ça, on le fait. Ça, on peut pas. Ça, on peut. Glitronax. C'est quoi, c'est Glyptodon et Litronax. Glyptodon et Litronax. Le Litronax. Le Litronax, il est là. Hybride. Glyptodon et Litronax, ça, on peut faire. Ça, on peut faire. Ah, Litronax... Enfin, Glyptodon, c'est une espèce grotte. Attendez. Ouais, c'est une espèce caverne. Quand il y a des missions, faire éclore les cavernes, là, c'est vrai que je pourrais faire... Utiliser 15 créatures cavernes. Ah non, c'est deux savanes. Mais quand il demande caverne ici, je pourrais le faire pour le Glitronax, en fait. Ça peut être une idée intéressante, ça. Ça peut être une idée intéressante. Ok, bon, très bien, ça c'est fait. On peut le faire aussi. Alors, ça on peut pas. Ça on est en train de faire, ça on peut. Ça on peut. Et derrière, l'Alonomius. Bananomius et... Allosaur. Je suis pas sûr de l'Allosaur. Si, c'est ça. 40 et 30. Bon, bah, en plus, 30... Et 10, 20. Et on manque 2 pour lui. Ah, du coup, là, sur les super hybrides... Enfin, sur les hybrides carnivores... Enfin, jurassiques... Il y en a un seul que je peux pas avoir, là. On a géré, quand même, hein. On a géré, quand même, hein. Il y a un moment, il y en avait plus que ça qu'on pouvait pas faire, hein. Là, il nous en manquera qu'un seul, une fois qu'on aura fait tout ça. Après, oui, on a perdu tout cela parce qu'il y a un tocard qui nous les a vendus. Mais on peut les refaire. Il suffit de les acheter. Ça fait plaisir. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Franchement, plutôt pas mal. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Jurassic World, le jeu.
Bisous à tous, bonne journée. Et à la prochaine. Allez, tchou.